Donc là, on est sur les ateliers extérieurs, donc trois ateliers dynamiques, entre guillemets. Une voiture coussin qui permet de vérifier l'utilité de la porte du port de la ceinture, même à très faible allure. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la voiture, elle est conduite une fois avec la ceinture sur une quinzaine de mètres, à 10-15 km/h, effet de la ceinture, ok. Et deuxième parcours, on le refait sans ceinture, cette fois-ci, mais avec un gros coussin à l'avant pour éviter bien sûr que la personne se blesse. Et là, on se rend compte que la personne, elle va dans le pare-brise, même à 15 km/h. Voilà. Ensuite, vous avez un autre atelier qui est la voiture, test au niveau de la conduite sous l'emprise de stup ou sous l'emprise d'alcool, ou avec la conduite avec SMS. Donc en fin de compte, c'est une espèce de slalom à faire avec la voiture, entre les cônes. La voiture, elle est conduite pour la première fois avec la personne sans problème, c'est-à-dire qu'elle passe elle va passer les pros sans les accrocher, il n'y a pas de souci. Et après, on passe avec des lunettes alcool. Et là, on se rend compte que déjà, c'est déjà beaucoup plus compliqué et qu'on va renverser les codes. Ensuite, on peut le faire aussi avec le SMS en volant. Et alors là, c'est une catastrophe. Donc voilà, je vous ai présenté l'ensemble de l'opération aujourd'hui. Merci de votre compréhension.